Tu veux définitivement perdre du gras et avoir une silhouette plus athlétique? Je te donne dans cette vidéo une méthode révolutionnaire, un secret ancestral, une activité incroyable que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Cette activité, c'est... C'est ça, marcher. Je te vois venir. Tu vas me dire que marcher, ça fait dépenser moins de calories que courir ou n'importe quelle autre forme de cardio. Par unité de temps, tout à fait. Mais si on dézoome un peu, pas forcément. Marcher génère très peu de stress sur le corps. Tu peux littéralement marcher des heures. C'est bien de faire des séances de cardio qui peuvent être en PLS, mais trop en faire crée beaucoup de fatigue et augmente ton risque de blessure. Concrètement, combien de calories tu brûles en marchant? Pour la plupart des adultes, 10 000 pas brûlent entre 300 et 600 calories. Si tu fais ça tous les jours, ça fait entre 2100 et 4200 calories par semaine. Sachant qu'un kilogramme de graisse pure représente un peu moins de 8000 calories, tu peux perdre plusieurs kilos de graisse en quelques mois en marchant une heure de plus par jour. Quelques astuces pratiques pour augmenter ton nombre de pas. Garde-toi un peu plus loin de ton lieu de travail ou descends du bus un arrêt avant. Fractionne tes pas, par exemple en marchant 3 fois 20 minutes dans la journée. Ou va tout simplement te promener avec un podcast ou un livre audio dans les oreilles, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Bref, organise-toi pour être le moins sédentaire possible. Ça te permettra aussi de manger un peu plus et donc de ne pas ressentir de frustration. Pas de frustration veut dire plus d'adhérence et donc plus de résultats.